Magali Ripoll, n'oubliez pas les paroles, sa pleine d'ironie à un internaute remonté. Choriste et musicienne reconnue dans N'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll n'en reste pas moins sujette à des critiques sur les réseaux sociaux. L'une d'entre elles a contraint l'acolyte de Nagui à sortir de ses gonds, ce dimanche 2 avril. Mais toujours avec humour. De l'ombre des cœurs à la lumière des projecteurs, Magali Ripoll est devenue un personnage à part entière dans l'aventure N'oubliez pas les paroles. Recrutée notamment pour sa capacité à jouer de plusieurs instruments, la Varoise a su tisser avec Nagui une véritable relation d'amitié et de confiance. Faite également de taquineries en tout genre, la choriste a pris une place si prépondérante dans le divertissement de France 2 qu'elle chapeaute la tournée des maestros. Un spectacle au cours duquel les plus grands champions du jeu reprennent les plus grands tubes de la chanson française en public. De quoi devenir, malgré elle, un personnage public et donc une cible facile pour ses rares détracteurs sur les réseaux sociaux. Car, si son côté décalé, ses perruques et ses anecdotes cocasses sont globalement appréciées du public. Certaines de ses attitudes irritent les téléspectateurs les plus sérieux. C'est le cas d'un fidèle parmi les plus fidèles désespéré par les facéties de la maman de deux enfants. Magali, sic, qu'est-ce que vous êtes nul? C'est de pire en pire, vous ne faites que des conneries. Et vous émerdez même les ICO. Pauvre fille, vous êtes casse-pied, comme je vous plains. Et en plus vous vous prenez pour une vedette, cinglé, s'est-il fendu dans un tweet acerbe. Et d'ajouter, le lendemain, le terme folle à sa liste de qualificatifs. Ce dimanche 2 avril, Magali Ripoll a pris connaissance de cette tirade acide, et y a répondu tout en rondeur. Bonsoir, je n'ai pas compris toute la teneur de votre tweet mais puis-je me permettre de vous dire qu'il n'y a pas de E à Magali. Et combien je suis honorée d'occuper autant de votre temps précieux, chaque jour. A-t-elle rétorqué. Avant de terminer sur une note des plus douces, respirez bien profondément. Je vous fais de gros bisous. En toutes circonstances, elle n'en oublie pas son humour.